jour, ma boulangère a fait une drôle de tête quand je lui ai demandé de m'offrir ma baguette. J'ai pourtant vraiment tout tenté pour lui expliquer que la carence d'indemnité allait sauver la France. Monsieur Rebsamen, comment je fais sans revenu pendant un mois? Payer mes factures, mon loyer, ma voiture. Le lendemain, c'était mon pompiste, lui qui d'habitude, tout plein de sollicitude, s'empressait de me faire le plein. Je crois bien qu'il n'a pas compris quand j'ai demandé un crédit. Il a remballé son diesel, oui, mon pompiste est égoïste. Monsieur Rebsamen, comment je fais sans revenu pendant un mois? Pour payer mes factures, mon loyer, ma voiture. Un programmateur m'a appelé pour me faire travailler à l'autre bout de la France, mais sans essence, comment faire pour y aller? Je me suis tournée vers ma banquière qui s'est montrée plutôt sévère. Quand elle a vu mon découvreur, elle m'a dit je ne peux rien faire. Monsieur Rebsamen, comment je fais sans revenu pendant un mois? Pour payer mes factures, mon loyer, ma voiture. Je n'existe même plus, ça fait un mois.